Ouais! Ah! À mort! Qu'est-ce que je m'amuse sur Destiny avec des copains! Tiens, prends ton coup de couteau, toi. Première virieuse! Deuxième partie de notre live Destiny nocturne. On continue les attaques. Et le ménage! Tiens, ta boule de merde, je suis à la gauche, je pense. 8. Ici, les lieutenants, ils apparaissent très vite. Là, ils apparaissent là. Là, ici. Il est où? Un invisible, ouais. Il y en a invisible normalement. Il est là. Neuf. Ouais, c'est bon. T'es sûr? Il faut être à côté, je pense. Oui, c'est ça. Où le dernier? Là. Là. 10. Ouais. Ah, j'en ai 10, mais j'en ai pas 12. Oh putain, les zélotes. Ah bah ça tombe bien, il y aura des agents avec eux. Enfin. Ils sont où les agents? Message, 2 secondes. Descendre infecté. Oula, il s'est fait défoncer, parce là. Histoire non. Ouais, t'inquiète. Comme ça. Et voilà le travail. Vous faites quoi là? Là on est en train de faire des quêtes vite fait et après on va attaquer les raids épiques. Non, les assauts. Ouais, enfin les assauts épiques, pardon. 10 sur 12, toujours. Parce que là il nous en manque. Il me manque deux corrompus spéciaux afin de pouvoir finir cette quête qui permettra de passer le level 37. Ah! Ah! Ça pourrait être intéressant. J'avoue, ouais. Elle arrive. Elle est là. Oui, 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 il fait mal. Je suppose que c'est important. Oh, bon ça. Ça a beaucoup changé depuis que j'ai arrêté. Et évidemment, oui, ça a pas mal changé Destiny puisque nous sommes passés à l'an 2. Moi, j'ai connu Destiny à partir du début de l'an 2. Et j'ai pas fait l'an 1 malheureusement, mais je sais que ça a été particulièrement difficile pour ceux qui ont fait l'an 1. Il y a eu pas mal de changements qui ont été faits, avec les DLC surtout. Et un peu de restructuration au niveau des armes, avec Illyrage et compagnie. Et surtout, bah, c'est passé à 320 de lumière désormais. Cool la lumière. Bah je peux utiliser ma lumière de toute façon. J'ai up. Qui me tire dessus? Oh c'est dessous. J'ai cru qu'il allait s'écraser.
Et oui, et donc le roi des corrompus aussi est apparu, hein, le fameux roi des corrompus. Qui est vraiment très 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 coriace. L'an 2, je t'avoue que je te suis pas là. Moi je commençais vraiment au tout début en tournant en rond quoi. Alors l'an 2 en fait c'est le roi des corrompus. L'an 2 c'est simplement le roi des corrompus, c'est le DLC qui est arrivé du roi des corrompus, l'histoire complète hein, carrément. Et avec un nouveau raid, hein, de nouveaux équipements, beaucoup 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 de nouveaux drops. Et surtout certaines armes de l'an 1 qui ont été réactualisées pour cette an 2. Voilà. Comme la Montrouge et bien d'autres armes. Il y a même eu la course de passereau qui s'est passée du 4 décembre au 29 décembre. Power Wrestling. C'était sympa, c'était vraiment sympa. Et ça permettait de gagner de bons items qui pouvaient aller jusqu'à 320 de lumière. Raté! Une mouche. Voilà, et on voyait d'ailleurs, hein, on voit d'ailleurs un des passereaux qui est passé. Les nouveaux passereaux aussi qu'ils ont implantés pour la course. Comme celui-ci, le cryo électrique. Et qui permet de faire des figures. T'inquiète, je reviens. Il y a énormément de choses qui ont été implantées. Hein. Bon, les DLC sont. Oui. À maintenant, c'est plus avec les équipements qu'on monte en level, c'est avec la lumière qu'on drop. C'est ça. C'est exactement ça. Avant, c'était la défense. Hein. J'ai vu que c'était la défense qui permettait de faire plus de dégâts de ce que j'ai vu. Et maintenant, bah oui, c'est la lumière. C'est la lumière. Plus vous avez de lumière, hein, plus vous ferez des dégâts sur les monstres. Okay. Je me sais peu. Ouais, je me sais peu vous trouver surtout. Double vautrage aussi. Ah, bon. Et évidemment, la difficulté a été augmentée hein, avec l'an 2. Bien évidemment aussi, les anciens raids comme le Caveau de Verre et Crobta sont beaucoup plus faciles. Mais si vous faites une connerie, c'est toujours aussi mortel. Il y a eu d'autres races qui ont été incorporées hein, pour l'an 2, bien évidemment. Mais ça, je ne vais pas en dire plus, il faudrait que tu découvres par toi-même. Corrompu, par ici, passe ton message. Et il y aura l'an 3, oui, il y aura un an 3, ça sera Destiny 2, en septembre. Bungie qui commence à travailler sur le projet d'ailleurs. Bon, ils ont dû travailler depuis un moment hein, déjà. Maté, couteau. Aïe, ouh, je me fais allumer. Aïe, 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 je me fais allumer. Fâché là. D'autres races jouables? Alors, non, je ne pense pas. J'ai pas fait le rien, donc je peux pas dire. Là, tout ce qu'on a comme classe, c'est Titan, Chasseur et Arcaniste. Mais pour l'an 2, à nouvelle planète, nouveau loot. Oui, ça c'est logique. Mais une nouvelle classe jouable pour Destiny 2, je sais pas. Peut-être, oui, peut-être, oui, forcément. Je pense que. Vas-y. Le site, c'est sur quel site? Oh. Ça s'est passé. Non. Ils ont mis ça. Ils ont vu ça sur le 3 ou sur la Gamecom, un truc du genre, je sais plus. C'est sur le 3, j'ai pas eu beaucoup de.
Je sais que quand j'ai vu pour la première fois Destiny, le premier gameplay, hein, quand ils étaient au Cosmodrome, je me suis dit, ouais, c'est pas trop mal. Mode coopération comme ça en FPS, ça peut être sympa. Surtout en mode histoire RPG, tout ça. Et quand j'ai vu le truc du roi des corrompus, le trailer du roi des corrompus, je me suis dit, ça devient intéressant là. Mais cette main donc. J'ai entendu. Shattered Sense. Attends, t'as dit Shattered Sense, c'est ça? Un soleil éparpillé. Ou soleil déchiré. Shattered, ça veut dire. Shattered, ça veut dire déchiré. Donc ça serait par rapport à. C'est par rapport à la lumière déchirée ou un truc du genre. T'as bien fait d'attendre la fin de l'histoire parce que le début était vraiment chiant. Bah honnêtement, j'aurais voulu connaître le début vu que je suis hardcore gamer, j'aime la difficulté. Et ça m'aurait bien plu de faire l'an 1 bah, avec tout le monde, hein, de galérer comme des porcs et bah, essayer de comprendre les stratégies, comment faire pour taper les boss, etc. etc. Ça franchement, ça m'aurait vraiment vraiment plu. Mais bon, j'aurais pas pu faire de live à ce moment-là puisque la PS4, j'aurais pas pu l'obtenir. J'avais pas les moyens. J'arrive à la voir. Corrompu. Ah, j'ai plus de pied. Bah oui, ça c'est logique, hein. C'est un nouveau. Forcément, c'est un nouveau système, donc oui. Ça me dérange pas trop de refaire un passage. Ouais. Ah. C'est une idée en fait de faire ça. Hein. Au lieu d'avoir des persos surcheatés de base au début, eh bien ils ont carrément des personnages à remonter. C'est pas plus mal, moi ça me plaît cette idée. Un message. Alors, surtout que pour ceux comme moi qui ont commencé en tout début, on galérait pour avoir des légendaires et on suit comme des porcs pour avoir des exos. Et puis plus tard, quand on a commencé à voir que Bungie rendait ça vraiment plus facile à en obtenir. Oui, j'avoue que j'ai vu les premières vidéos hein, de ces combats avec les drops d'exotiques, ça. Et ouais. Il y a aussi, j'ai vu aussi qu'il y en a qui utilisaient certaines failles du jeu pour avoir énormément d'exotiques. Ah bon? Tu vas faire quoi? Ouais. Ouais. Sympa. Il est où le lieutenant? Aïe, je suis en train de me faire canarder là. Je sais pas pourquoi mais je... Ah, il est là. Aïe, 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 il est là. Il est en train de me canarder sévère là par contre. Oh, wow, 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 je suis en train de me faire allumer sévère là. C'est bon. Merci, ça a marché. Ma quête est faite. On part partir en épique. Oh, 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 ça chatouille. Donc tu vois aussi hein, les fameux corrompus, ce sont eux. Ce sont des vex, ce sont des cabales, ce sont des déchus qui ont été avalés par une certaine entité. Mais ça, je te laisserai découvrir quelle est cette fameuse entité. Merde. Quoi? Ah oui, la grotte sur la terre, mais c'était chiant. Ah voilà, c'est ce que je disais, la fameuse grotte. Ouais, la fameuse grotte au Cosmodrome, je l'ai vu cette vidéo, les gens qui farmaient à mort la sortie
des déchus et Non, des ruchiers. Enfin, je sais pas si les ruchiers ils y étaient. Enfin, je suis pas sûr. La ruche elle y était, non, hein? Parce que je sais pas du tout, hein, j'ai pas fait loin. J'aurais bien voulu d'ailleurs. J'aurais vraiment voulu. Je m'étais décidé une En fois fait, à le vouloir prendre des séries, classement mais. de la licence Halo ne compte pas se baser sur un seul objectif pour tenir la licence destinée pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans. Ah ouais, il va faire comme Ragnarok. Ils veulent passer sur la mythologie nordique. En fait, ce qui se passe, c'est que là, Oui, d'accord. Donc oui, ouais. Le truc 1 million de morts pour remettre Zol ne suffisent pas et qu'il y a tous les monstres qui sortent en même temps. Oui. C'est ça que j'ai vu, il y en a qui tirent des lance-roquettes dans la grotte pour récupérer les engrammes. Bon, maintenant il y a les deniers, donc après je sais pas si c'est un nom, hein. Oui, je vais que c'est les cabales, oui, c'est ça, c'est bien ce que je disais. Ouais, bah là ils ont rajouté les corrompus. Les corrompus qui sont particulièrement violents et qui font super mal. Bon, bah, je crois que c'est bon pour ma quête, hein. Attends, je vérifie. Je vérifie si j'ai rien d'autre. Oh, j'ai bientôt up. Lol. Attends, il me manque quelques points pour up. Ennemi tué chasseur rang 1, passé. Bon, bah, j'ai fait 5000 frags. J'ai fait 5000 frags. Et j'ai fait le personnage, il n'y a même pas 2 jours. Oh putain. Par contre, avec le roi des corrompus, maintenant le personnage peut passer rang 40. Donc pour l'instant, c'est le level maximal. Et ils Ah oui, je ont. pense qu'ils vont augmenter encore. Ouais, oui, je pense aussi. Ils Je pense vont. qu'on va aller jusqu'à 60, J'aimerais bien. c'est ça. Ils ont donné un fragment qui permet de passer directement de level 0 au level 25. Mais moi, je ne vais pas utiliser parce que ça a pas d'utilité. Ça permet directement Bah du d'avoir à coup, peu on va près en là. armée? Juste 2-3 frags encore. Et c'est bon. Parce que là, il me manque pas grand-chose pour up. Ça fait quoi quand tu up? Bah déjà, tu vas débloquer des items bien plus puissants, hein, donc au level 40. Et bah après, ça dépend ce que tu vas faire derrière. Tu pourras débloquer aussi certaines instances. Comme dans les zones de PvP, la bannière de fer qui est obligatoirement un level 40. Et je sais plus, enfin, il y a un truc. Mais le dernier raid qu'ils ont mis en place, il est vraiment très 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 difficile. Après, si vous avez toujours la même équipe, ça passe. Vous faites toujours la même stratégie, ça passe en boucle. Message. Ah, pas mal, ils sont enfin plus penchés vers le système MMORPG. Oui, voilà. C'est exactement ça. Bon, ils ont mis encore un peu de pay to win hein, pour le serveur en mettant des icônes exclusives à acheter, des passeports à acheter, etc., etc. Mais ça, c'est normal. Hein. Pour tenir un serveur, des fois, il faut mettre un petit peu d'argent de côté. Comme pour chez nous à Ragnarok. Hein. Ragnarok Online, ça part sévère en pay to win en ce moment. Vu qu'on essaie d'être à jour sur les licences et les épisodes. Allez, j'y suis presque. Un bon petit shoot dans le tas. Attends, il n'y a personne. Génial. J'entends du bruit, mais j'en vois pas. Après aussi, ils ont mis un truc pour récompenser ceux de l'an 1. Tous ceux qui avaient fait pratiquement tout de l'an 1, enfin qui avaient fait tout de l'an 1 plutôt, c'était un emblème exclusif. Hein, qu'un ami, enfin un membre de la guilde surtout, le co-leader, il a obtenu. C'est une espèce d'horloge avec tout ce qui a été fait dans l'an 1. Pay to win ou juste on peut acheter les cosmétiques. Oh, il y a des corrompus ici. Oui, c'est plutôt achat de cosmétiques, ouais, c'est plutôt ça. Il y a des corrompus. J'arrive. Il y a surtout un Ouais, zélote. mais ils vont se passer. Il y a surtout un zélote. Ouais, ça va, ça va. Merci, il fallait le dire plus tôt. Dommage.
Je me disais qu'il y avait un truc qui clochait. Ah, il me manquait tout petit peu, et je happe vite. Le 35. Oh là-bas. Grenade. Oh, je l'ai eu. J'ai eu dans le tas. Aïe, 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 aïe. Le coup de couteau, le coup de couteau. Vite, 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 vite. Tu stream ça? Oui, je stream toute la semaine en fait. Parce que je travaille du matin de 5h jusqu'à 13h. Et après je commence, j'ai level up. Et je commence de 14h jusqu'à 19h. Et puis je reviens de 22h jusqu'à minuit ou 1h. Ça dépend en fait mes horaires. Donc en général c'est plutôt de 14h à 19h. Et après, et bien après je vais faire 2-3 trucs sur Dark Online et je vais dodo. Le travail, forcément. Là, j'en ai profité un peu parce qu'on a eu les fêtes du Nouvel An, tout ça, et ouais, c'est bon, on peut y aller. J'en profite un peu parce qu'il y a eu les fêtes du Nouvel An, tout ça, et bah voilà. Après, je vais reprendre mes horaires habituels. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Bientôt, je vais passer du Twitch sur PC parce que je vais acheter un nouveau PC. D'ailleurs, la configuration est liée dans mon profil Twitch. C'est pas n'importe quelle configuration, c'est quand même une grosse configuration qui vaut la peau des fesses pour moi. Mais pour vous, Furieuse, je fais le sacrifice. Vas-y, vas-y. Et donc voilà. Je mets hors caméra 2 secondes, je suis en train de manger un petit truc pour, pour tenir le coup. Voilà. Alors, ce que je fais surtout, c'est du stream pour partager ma passion du gaming. Partager mes envies, partager ma rage, surtout ma rage, beaucoup de rage. Et le fait de prouver que dans Destiny, c'est pas forcément intéressant de tricher ou de glitcher pour gagner un combat ou autre. On peut aussi gagner un combat en travaillant dur et vous être récompensé derrière. Parce que maintenant, il y en a beaucoup qui utilisent des glitches pour pouvoir passer des raids. Donc, je trouve ça un peu moche. Ouais. Et surtout le fait que si Bungie la prend, ça risque de faire. Ouais. Moins que Bungie fasse une modification en 12 derrière, ça c'est plus l'argent. Voilà. Et me voilà. Alors c'est 6h? Non, pas encore. Ça fait depuis septembre en plus que je stream. J'ai commencé sur Metal Gear Solid 5, j'ai attaqué ensuite sur Destiny et sur Art Online. Ils ont déjà fait de Bungie. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai suivi un petit peu l'actualité de Bungie. Parce que moi, Bungie, je connais depuis longtemps, depuis l'époque de Oni sur PS2. Après, il y a eu Marathon Man, etc., qui sont venus carrément sur la NES et compagnie. Mais ça, c'est des vieux trucs, très vieux trucs. Ah, le glitch avec AT1, oui, ça j'avais vu ça. Et, oula, il y en a qui l'exévère. Et après, ben, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au travail de Bungie avec Halo, la série des Halo. Et celui qui m'a le plus plu des Halo, c'est Halo 3. Halo 3, je l'ai farmé dans tous les modes, même le légendaire, on l'a fini avec des amis en légendaire. Et, bah, c'était génial. Même les crânes ont été récupérés, les fameux crânes. Les crânes légendaires. Avec Cortana. Oh là là, tous les engrammes que j'ai. J'ai la masse d'engrammes. Hein. Et le truc aussi, c'est tant que vous passez pas à level 40, vous pouvez pas avoir d'engrammes légendaires hein, dans Destiny. Les trames de la peur? Oh putain, je sais ce que c'est. Ouais, moi je crois savoir ce que c'est. C'est dans le cuirassé. Oui. Moi j'ai travaillé dans tous les modes. C'est Halo Reach. De bons souvenirs avec mon pote Nuit Blanche. Halo Reach, j'en ai pas mal entendu parler, mais j'étais pas trop conquis parce que le fait que ce soit pas le Master Chief, le héros, mais plutôt bah, des gardiens de la galaxie. Enfin,
Ça m'a pas trop branché. Waouh, super la récompense. De la lumière à des pièces étranges. De la merde. Moi qui m'attendais à un vaisseau. Je voulais un vaisseau. Donc j'utilise toujours des armes de l'air aussi, comme tu le vois. Parce que pour mon level, elles sont à peu près efficaces. Après, c'est sûr que je dois utiliser des armes de l'an 2 pour que. Oh, le casque 191! Pour que ça soit plus intéressant derrière. Des items 192. Nice! Alors, message. 5 pièces étranges. À l'époque, on était content d'en avoir une. Oui, j'avoue. Bah, ça, c'est. Ils ont modifié un peu. Hein. Et d'ailleurs, si vous vous connectez sur Destiny à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 janvier, vous aurez peut-être la chance exclusive de gagner un emblème rare. Et aussi 15 pièces étranges et 15 bulles de lumière. Enfin, particules de lumière. Voilà. Pensez-y, hein, pensez-y. L'emblème est très rare à voir. Hein. Donc, tentez quand même votre chance. Hein. Ça vous récompensera du fait que vous y étiez là. Là, devant votre console ou votre PC pour Destiny. Et Bungie va organiser aussi une course ben, contre les devs. Hein. Ils avaient fait la course de passereau contre les devs. Malheureusement, ils n'avaient pas prévenu que c'était uniquement pour l'Amérique et tout ce qui touche les USA, voilà. Mais ça a été plutôt sympa de participer au challenge pour essayer de rencontrer ces fameux devs hein, qui ont construit la course de passereau. D'ailleurs, vous pouvez voir la course de passereau sur mon profil YouTube. Vous cliquez sur la bannière du jeu Destiny et vous arriverez sur la playlist de Destiny que j'ai créé. Un Voilà. conseil suprême, Ouais. j'ai des projectiles qui n'ont pas été atteints à leur cible ont une chance de revenir dans le chargeur. Ceux qui ont atteint leur cible ont une chance d'être remplacés automatiquement par ceux de leur réserve. Ah, c'est pas mal ça. C'est comme le fuseau noir. Et d'après toi, tu mets ça en portée ou en recharge? La portée est très importante pour un fusil de précision. Après, pour la recharge, ça dépend si tu es à couvert. J'ai toujours pas un peu ma pistolero. Oh, presque. Hauteur augmentée. As de la gâchette. Par contre, là-bas, ça bouge pas. c'est quoi la discipline des spectres? Parce que dans l'un, ils servent à rien. Alors, je vais te montrer, ça va aller plus vite. Donc, l'intelligence permet, de toute façon, la récupération sur le coup spécial, hein, le super. Super chargé qui permet de dégâts colossaux ou protéger contre les attaques ennemies. Ensuite, on a la discipline qui permet de faire le rechargement plus rapide des grenades ou l'attaque de mêlée. Donc c'est plutôt pratique. Et la force qui permet bah, pour la tête de mêlée, lancer de couteau, de l'utiliser plus souvent, ça réduit le délai aussi. Voilà. C'est un petit bonus hein, pour avoir un léger avantage selon comment vous utilisez votre personnage. De base, moi je suis Titan. Donc là, je découvre un peu la classe de chasseur. J'y connais vraiment pas grand-chose. Et c'est surtout que je déteste cette classe parce que en PvP, elle est vraiment trop abusée. Du coup, je me suis dit, bon, on va péter le mal par le mal et on va faire une classe. Et donc voilà. Bon, eh ben, j'ai 173 de lumière. C'est pas trop mal.
message. Ah, ça peut changer les choses en PV. Oh, bon, oui, c'est toujours aussi cheaté. C'est pour ça que les gens ils prennent que ça. Après, la deuxième classe qu'ils prennent tout le temps, c'est les arcanistes hein, avec la résurrection automatique, forcément. Ça, c'est bien emmerdant. Ça rend fou. Ah, j'ai plus de fer fossile, zut. Pas comme les Quoi autres, que non. un pack, mais pas aussi. Ah, il est pas mal le pack comme les autres, je l'avais à un moment donné. Mais le meilleur fusil éclaireur qui est vraiment sympa à avoir, c'est soit le Mida en exotique, soit le dernier ressort. Bon, vu que j'ai fait des assauts épiques, j'aurai des écus. Alors. Bon allez, moi je t'ai dit bon jeu et bonne soirée, je repasserai sûrement, je t'ai follow, merci à toi. Merci à toi aussi pour le follow et bonne journée aussi. Allez, bye bye. Qui tout double solaire. Ah ça c'est cool par contre. Armure cryoélectrique. J'ai pas la cryoélectrique, c'est ballot. Transfert d'énergie. Et invasion des ombres. Ah, pas mal. Bah moi c'est bon, on peut y aller. On peut faire vite fait quelques assauts et ça sera la fin du live, curieuse. Parce que il faut que j'aille dormir un peu. Ça fait déjà 3 jours que je fais de grosses nuits blanches. Tiens, il faut que je ouais. T'avais là, moi il est rose. Ah bon? Blanc rosé un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des fois ça change de couleur, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Allez. Bah, un soin épique. J'avais une mission à faire. Ah, bah oui, et Kaïd. Ah, oui, il y a Kaïd aussi à faire. J'ai Kaïd à faire. Allez, go. Ben, mets-moi en lead. Merci. Et on y go. Allez, c'est parti. Kaïd. Celle-là. Je rappelle aussi Virius qu'à partir de cette semaine, il s'appelle Oryx, on va il a fait reprendre tout ce chemin pour vous tuer. On ne le laissera pas faire. Let's play Oryx contrôle les Sword Art Online, donc week-end prochain. Saturne. Mais on ne peut pas s'en approcher sans un moteur furtif. Heureusement, avant d'être recruté par l'avant-garde, j'en ai caché un dans un vieux vaisseau colonisateur. Comment pouvez-vous être sûr qu'il est toujours là-bas? On a plutôt intérêt à ce qu'il y soit. Impossible de survivre au cuirassé sans moteur furtif. Ouais. Bon, elle est facile, mais bon. Ça ira plus vite. Allez, c'est parti. C'est moi, il n'y a pas de gens corrompus là. On a un gros problème ici. Ah non, c'est juste le truc. Non, ça c'est juste le corrompu de base. Je ne parle pas de déchus. Oh, genre la loi. Oh, génial, genre la loi. C'est trop bon ça, hors la loi. C'est ce que c'est en fait, hors la loi. Ça recharge le revolver à la vitesse de la lumière. Tu recharges 3 fois plus vite ton arme avec ça. C'est trop génial ce truc là.
Par contre, il faut faire que du frag pour réussir. Hop là, charger. T'as vu? Tac tac. C'est tellement bon ce truc là. Sur les titans, dans la doctrine de l'ombre, tu as aussi ce système. Quand tu mets un coup de poing, tu réussis ton coup de poing, tu peux recharger rapidement ton arme. Oh là là, c'est trop bon, je recharge tellement vite. Ah, pute. Je brûle. Je brûle. Oh, je suis dans le rouge là, mais rouge, rouge. C'est bon, il est mort. Voilà, c'est comme ça qu'on headshot, mon gars. C'est bon, c'est nettoyé. Un engramme. Premier rare. T'es où? Oula, il y en a un avec son snipe. Oh! Le genre, il m'a eu. Il se fout de ma gueule, lui. Vas-y, vas-y, lève la tête, tu vas voir. Tiens, boum, dégage. Oh, il y a encore un engramme, lol. Oh, ça chauffe. Après, plus tard dans 2 semaines, je pense, Furieuse, on attaquera la classe arcaniste. Voir ce qu'elle vaut réellement et si vraiment elle est si pénalisante que ça. Parce qu'en général, les classes pénalisantes, hein, je m'en sors plutôt bien avec. Ah ouais, bah, on peut y aller, hein. C'est bon, j'ai fini les toys. Oh, j'ai une de ces fins. Limite, je mangerais un énorme Big Mac. Bon, c'est pas la référence à la nourriture là. Aïe. J'ai rien, sportif. Alors, comment ça se présente? Il y a des manches partout, c'est pas grave. Il y a des corrompus partout. Ils attaquent. Ah, oh, il m'a copié. Si vous ne trouvez pas ce moteur furtif, la Terre va commencer à ressembler à Phobos. Ah bon? Sniper. Oh, ce headshot sauté. J'ai fait un headshot sauté en oscope, c'était magnifique. Je me régale à faire ça. Ah non, pas les pions, c'est bon. Il y a un putain de sniper là-bas. Il reste dans ta bulle, vas-y, fais-toi plaisir. Au revoir. Ah, j'aurais pu le faire. Petit coup de couteau au passage. Tu vois, c'est bizarre, avant il n'y avait pas de pont là. C'est marrant, ils ont rajouté un bouton. Alors dites-moi quand vous y êtes. Ah bon? Je crois que. Non, c'est bizarre. Je pense, non. Bizarre. La porte est déjà ouverte, Kate. Nous sommes à l'intérieur. Et les grenades fluctuantes n'ont pas explosé? Il faut vraiment que je sorte de cette tour, un de ces quatre. Oui, il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux qu'il sorte de sa tour. Oh putain. Grenade. Joli pack. Allez hop, hors la loi, chut, en chargement rapide. Tatatang. A plus. Et le monde charge fonctionne toujours? Non, je refuse. Sortez-moi de là. On monte. Vous avez testé le monde charge récemment? Ne vous inquiétez pas, il fonctionne. J'ai cru que j'étais passé à travers le truc. Préparez-vous à la réanimer, on ne sait jamais. Ouh, c'est que ça commence à être haut. L'effet de profondeur, c'est quand même bien fait. De cette hauteur, j'arrive à détecter l'énergie de corrompu un peu partout dans le cosmodrome. J'étais là en train de vous chercher lorsque la première équipe de déchus est arrivée. Au début, il n'y avait qu'un seul skiff. Ok,
quelques mois, ils se sont emparés du cosmodrome. Il n'a fallu que quelques heures encore au plus. Où est-ce qu'on peut trouver votre moteur furtif? Il devrait y avoir un pont menant de la tour au vaisseau. Il m'a fallu des mois pour qu'il fonctionne. Il est un peu instable alors. Regardez où vous mettez les pieds. Cade, le pont a été déplacé et les commandes ont été détruites. Oui, ce sont sacré un réacteur en tout cas. Pour éviter que les corrompus ne les atteignent. Cherchez un moyen de rabiboucher l'alimentation. Oh, je t'inquiète, je connais. Il toujours y avoir du courant dans les tuyaux au-dessus. Baisse colonisateur. Si vous en trouvez la source, je pourrai réparer le circuit. Oui, oui, t'inquiète. Une fois que le pont fonctionnera, ma cachette est dans la sphère, au sommet du vaisseau colonisateur. Nous attendons toujours les détails de votre plan, Cade. J'en viens dans une seconde, gardienne. T'es où? Ah, je dois. Bah vas-y, hein, go. Ok, me revoilà. Hé, le pont bouge déjà. Atteignez le sommet du vaisseau. C'est là-bas que j'ai laissé mes affaires. Et faites attention à vous sur le pont. Allez, je sais, parce qu'il va s'écrouler. Wouah! Oh putain! C'était limite. Bah, j'ai failli tomber parce qu'avec sa secousse, ça a failli me faire tomber dans le vide. Oh putain, il est mort. Ouais, les corrompus, c'est des gens qu'il faut pas prendre à la légère. Oh, le hors-la-loi, c'est tellement bon. Regarde, 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 attention, attention, attention. Ah ouais, la vitesse, c'est 2 secondes gagnées minimum. Et pour ça, il faut faire que du... Oh là, calmos. Toi, tu vas te prendre une baffe, mon gars. Hop là. C'est bon déjà. Alors, on va voir si est-ce que tu vas tomber dans le piège. Ah, ça t'a brûlé, what the fuck? Depuis quand il y a un truc ça brûle? Ah. T'aurais dû tomber normalement. Oui, bien sûr, déjà fait. Aïe. Oh, il y a un truc là. Il n'y a pas quelque chose ici? Attends, je suis en train de regarder s'il y a pas quelque chose. Ah, je suis bloqué. Merde. Non, je suis bloqué, mais quel boulet. Je suis dans la merde. Oh bordel. Je suis passé à travers le décor. Apparemment pour Résus ça va être un peu dur, j'ai envie de dire. Mais bon, je suis revenu. Je pensais qu'il y avait un spectre, un truc comme ça planqué, en fait non. Il y a juste un problème avec le décor. Ah, j'oublie ce détail. J'ai l'entendre le headshot. Et lol. Je suis là. Quoi que vous fassiez, ne regardez pas en bas. Quoi, y'a rien bas qui se raconte? Ah si.
C'est bizarre les corrompus. Dire qu'ils étaient exactement pareils que les déchus avant d'être corrompus. Un peu con pour eux, ça. Il sera te corrompre. Aïe. Oui, il a pris en pleine dans les yeux. Je crois que j'ai crevé un œil. Enfin, il est mort, mais bon. Oh là, mais ça court vite, un chasseur. La vache. Bonjour. Service d'étage. Bonjour. Il y a un gros méchant là, je crois. Ouais, il y en a. Oh, oh, comme tu t'es fait l'esquive. Ah, bonjour. Dégage. Il y a pas un spectre, un coffre ici. Je sais pas. Ce genre de zone, il y a peut-être un truc caché, non? Ah, on y est. On va recharger notre arme. C'est bon, je suis prêt. Let's go. Oui. Regardez, virieuse, vomissez. C'est plutôt moi qui vais... Je vais bien... Ailleurs X. Mais oui, c'est ça. Il est où? Wouah. M'a fait peur. Mais non, mais il est apparu devant moi, cet imbécile. Là, derrière moi, plutôt. Je comprends pas ce que tu dis, Oryx. T'inquiète, je vais pas mourir. Bah, il est mort. T'es où? Ah, t'es là. Cette chose avait l'air bah alors. Je suis niveau 37, moi, je te rappelle. Bon, en fait, non, je suis niveau 40, mais il faut pas le lire. T'inquiète pas, dans mes mains, tu vas devenir aussi bon que moi. Oh, comment je me la pète. Oh merde, faut plafond. J'ai voulu passer à travers, ça a pas voulu. Putain de faux plafond. Faux mur surtout. Ah d'accord, vite. Là. Ah Death, salut. T'es encore debout cette heure-ci toi? Pareil. Ah, ouais, ouais, bah là je me suis amusé à monter une chasseuse. Pour m'amuser. Ouais. Ouais. Sérieux? Laissez-les-moi. Vous trouverez bien assez de putain sur cuirassé. T'as mis tous tes équipements en place au moins? Ah oui, oui, t'inquiète. Ah, mais ça, faut que tu me fais peur. Ouais, bon, ouais, ça va. J'ai fait la bannière de fer jusqu'au bout, rang 5. Je me suis récupéré un fusil sniper 3.16. J'ai halluciné. J'ai complètement halluciné. Putain, joli! Et après sur mon titan j'ai eu quoi? Ah comment ça t'as eu l'armure? L'armure de la bannière. Mais tu l'as droppé comment? Bah là, quand je passais en 5. Genre ah, j'ai même pas eu l'armure. Ouais. Gna gna gna. Tu passes quoi là du coup? Là ben y'a le cuirassé. Infiltrer le cuirassé. Ça va s'activer là, la cinématique normalement. Et je sais pas si t'as vu, moi j'ai vu quelqu'un, enfin j'ai vu plein de monde, à chaque fois ils avaient une coque de fer à la fin de partie. Oui, je l'ai eu. Et j'en ai vu un, tu l'as eu à 320. Oh!
Oh la grosse moule! Moi j'en ai une à 314. Lol, j'ai eu à 310 la mienne. Ah mais parce qu'ils étaient 317. Entre 310 et 320. Et c'est pour ça, parce qu'ils étaient 317, quelque chose comme ça, non? Non, bah non, je crois pas. Allez, vieuse, vieuse, c'est parti. On va infiltrer le cuirassé. Holiday. Maintenance programmée. Demande de confirmation visuelle. Ouais, c'est le dernier. À bâbord. Confirmé. Hey, Cade. Avionique intéressante, Cade. Ça serait pas le vaisseau d'Eris Morn? Pas les soudures. Bien essayé. Mais c'est Zavala qui autorise les décollages. Je dois indiquer pourquoi je le laisse décoller. Pour regarder les étoiles. Bon, pourquoi pas... une opération clandestine, avec moteur furtif, pour s'infiltrer dans un cuirassé à côté de Saturne, pour désactiver ses armes, créer une zone de téléportation, et envoyer les troupes. Vol d'essai, ça ira? J'avoue, c'est parfait. Ben, reviens quand t'es prêt. Moi? C'est pas moi qui pilote ce truc? Oh putain, salaud. Ouais, je sais. Mais la première fois que j'ai eu ça, j'ai quoi, vous foutez de ma gueule? M'envoyez au casse-pipe. Et du coup, c'est parti, Virus. Vous allez voir l'arme en action. Une deuxième fois. Prochaine de ses fins, j'ai l'estomac qui grogne alors. Bah du coup, on y va directement. On part au cuirassé. Laisse-moi te corrompre. Oui, bah plus tard, Oryx, hein. On verra plus tard. C'est parti. Le cuirassé est activé, mesdames et messieurs, furieuse. Allons-y. Vas-y, si tu veux. Ah, oui, ça va être un peu dur, j'ai envie de dire. Ouais, bah de toute façon, après, on va faire du épique. Ouais. Quelle heure c'est? 6h? Ouais, ça passe. Et bonne année, en fait, hein, j'ai complètement oublié, Des. Ouais, bon moment. Je te l'avais déjà envoyé par mail, là, il me semble. Il me semble. Et voilà. Donc, on a un petit nouveau encore en guild, hein, Kamikaze, qui est là, ici même, que j'ai rencontré bah, grâce au streaming. Encore rien. T'as vu un peu hein? Je recrute grâce au streaming. Et là, je vais avoir mon nouveau PC. Octocore. Pas de Daroc, je vais le faire tourner en 2-2. Enfin, un milliard de contrats Daroc. Hein. Il ne tirera plus jamais. Ah, j'adore. Le lien de téléportation pour les autres gardiens. Tout le monde n'a pas de franchement, j'avoue. Un vaisseau qui sent la ruche. Bonne chance, gardienne. Oui. Oui, oui. Oh putain. On dirait un peu l'étoile noire. Le canon de l'étoile noire. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui modifie le moteur. Les anneaux de Saturne créent sûrement des interférences. Ouais, super. Il ne fonctionne pas bien. Vous avez cassé mon moteur ? Vous croyez qu'il nous voit ? Oh putain. Oh putain. Je crois bien qu'il nous voit. Passe. Merde. Bon, et voilà, fin du jeu. Ou pas. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, le vaisseau est mort. On est juste coincé ici, sans vaisseau et sans zone de téléportation. Super. Je savais bien que le moteur marcherait. Ok. Cade, je vais te tuer. Je vais
Ah tiens, d'ailleurs, du 4-7, si t'es connecté sur Destiny et que tu fais des activités, tu peux avoir un emblème exclusif. 4-7. Ouais, ouais, ouais. Je vais vous dire que vous avez le soutien de toute la cité, mais tant que le cuirassé peut utiliser... Du 4 janvier au 7 janvier. On peut pas se permettre d'appeler des renforts. Une fois à l'intérieur, essayez de trouver la source d'énergie de cette arme. Je suis pas sûr, oui, peut-être. On a vu la même chose juste avant que Phobos ne soit anéanti. De toute façon, dans une heure, c'est minuit en Amérique. Attends, 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 il y a les fragments. Viens voir. Le pont juste en face vient de disparaître. Attendez, je vais demander à Eris. Et je cours vite en chasseur, c'est impressionnant. C'est sûrement un c'est chité. Aucune idée de ce que ça veut dire. Là, il y en a un qui brille. Restez sur vos gardes. You. Vous ne voulez pas que je jette un œil ? Normalement, il y en a dans le coin là. Est-ce qu'il est. Ah, je sais plus. Attends, il y en a un qui est par là déjà, je sais. Ça va débloquer la quête pour l'once de méchanceté. À moins qu'ils les ont enlevés en mode histoire ? Non, quand même pas. Ils sont un peu cons. Ah, si, c'est bon, j'en ai trouvé. Il est là. Il y en a là. Hop là ! Vraiment calcifié. Il était juste en bas là. Bon, là, c'est de méchanceté, je... Bah, GG. Pour toi aussi, ça va être un peu dur, j'ai envie de dire. Oh, putain, et c'est impressionnant comment ils ont travaillé le décor dans l'espace. Vache. Regardez ça un peu, Furious. C'est un travail de titan. Rien que faire un quart de ça, de Saturne, il vous faut un PC aussi puissant que celui de la NASA. C'est la modélisation, c'est une énorme modélisation, c'est énorme. La quantité de données pour fabriquer juste ça, c'est tout simplement monstrueux. Surtout que là, on est en full HD, hein. Je vous dis pas ce que j'ai devant les yeux, c'est impressionnant. Et vu que j'ai un grand écran en prime... C'est comme si j'étais devant Saturne. Enfin, quelque sorte. Ouais, bon, mais attends, maintenant faut que je trouve le deuxième fragment. Il y a un deuxième qui est là. Il y a 40 et 50 fragments à récupérer au total. Et t'en faut 45 pour l'once de méchanceté. Je sais qu'il y en a qui est quelque part par là normalement. Parce qu'il est... J'ai un vieux reflet sur les lunettes, ça me saoule. Il y en a un aussi par là-bas. Ouais, il y en a un là-bas. C'est faut utiliser le spectre pour faire apparaître. What? Pourquoi ça ne veut pas apparaître? Non, normalement là-bas t'as des plateformes. Si, je les vois, regarde. Lève la tête. Elles sont pas très visibles, je les vois. Bon, je vais les récupérer. Quoique non, je ferai quand il y aura le cuirassé opérationnel. Quoique. J'ai vraiment envie d'y aller. La première fois que je suis arrivé dans le cuirassé comme ça, je me disais mais est-ce que je vais vraiment survivre? C'était tellement stressant. Explorer le cuirassé. Alors il est où? Là. Tiens, voir. En fait, c'est tout avec ça. Un peu tout en fait. Hein. Quel effet du vos titres peut être récupéré par ce niveau? Non, 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 je n'ai pris aucun item de ma titan. Il n'y a absolument rien de ma titan. Oui, non, non, mais je le fais pas. Parce que sinon, ça serait trop facile pour moi. Je veux du challenge avant tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
de... Oh, je suis passé. Ah non, je suis sérieux. Les seules armes que je vais mettre sur la chasseuse, ça sera première malédiction et dernière parole. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est des revolvers que j'utiliserai plus sur les titans, tout simplement. L'âme d'un membre de la ruche d'Orissi. Selon les disciples d'Osiris. Ah, il y a un fragment ici. Là, il y a un fragment. Ressuscité en échange du sacrifice d'un membre de la ruche moins important. Celui-ci est destiné au sacrifice. Bien. Non, non, Skyol, il m'a fait le coup aussi à l'arcaniste, avec son arcaniste. Il a pris tous ses stuff cheatés, il est monté carrément à 300 avec son petit arcaniste. Mais bon, honnêtement, ça m'intéresse pas trop de faire ça. Oh non, je suis tombé! Ah non, je suis encore en vie, lol. What the fuck? Comment je vais ça? Gardez la terre! Tu es où? Pourquoi toujours moi? Bon. J'ai hâte de voir ce que ça va être en tout cas l'arcaniste, leur fameuse quête pour récupérer leur super. Enfin la dernière. Ah, c'est quoi déjà le nom? La dernière doctrine. D'ailleurs, on a réussi à faire un assaut avec uniquement les membres du clan. Première fois qu'on y arrive à le faire. Parce qu'il n'y a jamais personne d'habitude qui sont disponibles. Attends, je vais te montrer, il y en a un autre. Bah pareil, c'est pour ça que au final je me suis pas embêté avec d'autres items. J'ai énormément d'armes légendaires. Ah oui. C'est une énorme collection que j'ai. Attends, je vais chercher de quoi une toy minute, j'arrive. Voilà, ouais. Les chats qui se sont réveillés quand je vais voir le placard. J'ai pris celui qui est en haut, j'ai pris celui qui est au départ du cuirassé, tu sais, dans le contrebas. Mais après, je sais qu'il y en a un troisième, mais je sais pas où il est. Aïe, désolé. Ouais, là où il y a les plateformes machin, là. Ouais, ça c'est fait. D'après, il y en a un tout simplement là-bas. Attends. Oui, non, mais il faut passer par la chambre d'Orix pour la voir. Ouais, alors attends, j'ai 2 minutes. Je vois. Mais ils ont dû rajouter des trucs parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Attends, je vais récupérer ça aussi. Ah, c'est déjà mieux. Enfin, je crois. Bon, t'es là-bas, j'arrive. Et merde. J'en étais pas loin d'y arriver à sauter dessus. Bah, j'ai essayé de tomber dessus par hasard. Attends, j'ai tenté. Il y en a un qui est au milieu. Ouais, c'est juste ça. Je le connais parce que j'avais trouvé une fois. Je l'ai, ça en fait 3. Ouais, je crois. Donc là, j'en ai récupéré 3 depuis l'arrivée au cuirassé. Je crois,
Il est où? Bah, je suis tombé sur tout. Ah, je crois que j'ai un truc. J'ai vu un truc. Si, si, si. Ouais, il est là. Il est là. 4. Ça fait 4. Bientôt, Iri, ceux qui vont me demander la quête. Et un cinquième. Si, ouais, je crois que c'est. Il est où? Mais bah, merde, je voulais scanner. T'as tué les oligochettes, t'es vraiment un enfoiré. Dégage toi. Couteau. Mais lol. C'est du vol. Hop là. Ça change un peu de faire les autres classes de Destiny. Parce que toujours rester focus sur la même classe, ça endort un peu. Hein, ah bon? Ah oui, 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 j'ai vu à récupérer. Ah, je l'ai. Il est où? Allô? Ah oui, là. C'est bon, 5. Nickel. Et t'as la quête de Riz, non? Non, mais ça va se déclencher. Ça se déclenchera de toute façon. En fait, Eric, elle va donner une quête qui va te demander d'en récupérer 5. Oui. Par contre, il y a un truc qui est louche. C'est les 5 que tu auras déjà pris contre toi, en fait, tu en auras 35. Vous avez pu trouver la source d'énergie de l'arme? Merde. Je vous rappelle de commencer à explorer le cuirassé. Putain. La ruche cache souvent les systèmes importants au cœur de leur bâtiment. Il va falloir explorer un peu plus profond hein que ça. Hein? Sur 2, cette plateforme? Elle n'y était pas avant. La petite plateforme comme ça, elle n'y était pas avant. Il y a deux plateformes, what the fuck? C'est pour la mission. Ah, ok. Je lui dis, tiens, il y a un truc qui cloche. Je vais sur la droite, moi. Je prends la lourde pour nettoyer. Faut désactiver les boucliers. De toute façon, au pire, je prends le pistolet, et c'est bon. Oh putain, il y a du monde. Oh putain, il y a du monde. Ouais! Ok, une seconde. You should die, you motherfucker! Bref, tirez dessus tout simplement. D'accord. Ah, il y a un bouclier. Je vais le désactiver pour vous. Et là, on utilise la technique du cheaté, c'est-à-dire. Le pistolero! Et voilà, c'est bon. C'est complètement cheaté. C'est complètement cheaté ce tir. Continue. Ouais, allez, quoi? Oh, le raid, putain. On a été emmerdé avec les nouvelles modifications du raid. Maintenant, les esclaves ils se cachent derrière les barricades où il y a le prêtre. Du coup, on a même pas pu les tuer. Et on se bute à chaque fois par le rat. Ça m'a gavé. Il reste plus que 8 balles, je vais pas aller loin avec 8 balles. Parti! À part toi! Hey. 3, 2, 1. Oh, what? Quoi? Pourquoi ça a annulé? Aïe, 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 aïe! Ah, ok. Ah bah oui, forcément. Bah oui, à chaque fois que je la tue, j'y pense même pas. Tiens, parce qu'il y a le niveau, tiens, ramène ça. Mais bon, il y a un de ces mondes. Elle est où? Là-bas. Il y a un œil. Mais quoi? Oh, il y a encore qui remerde le monde là. C'est bon, c'est nettoyé. GG. L'arme est désactivée. Kane, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut qu'on installe cette zone de téléportation le plus vite possible. Il semble que la coque du cuirassé soit ouverte sur l'espace pas très loin de votre position actuelle. Ça devrait être l'endroit idéal. Ah, la Cordorix, salut, ça fait longtemps. Ça fait 2 jours, mais c'est pas grave.
D'ailleurs, tu peux aussi récupérer des fragments en faisant les runes désuètes, hein. Chaque boss des runes désuètes, tu récupères un fragment. Ah, tu sais que Kogor, t'es pas obligé de les faire en désuète pour avoir le fragment. Enfin, Kagor, tu sais, l'énorme ogre là. T'es pas obligé de les faire en désuète pour avoir le fragment. En volée, ça marche aussi. J'ai vu ça, le gars. Je te jure. Il y en a un, il avait lancé l'ogre, le Kagor machin, là, et il a droppé le fragment. Mais Kagor, elle est en désuète? Non. Ah, si. Bah, pourtant, il a eu un fragment comme ça. What the fuck? Ça sera mal avec des volets, t'as aussi des fragments. Hein. Ah bon? Un vaisseau cabane, aux couleurs des embraseurs célestes. Ouais. Il a dû dégoûter de volets dans un fragment. On s'occupera des cabales plus tiens, tard. Bon, sécuriser la zone de téléportation. Je sens qu'on va se marrer. Ah, c'est le temps? Ouais. Ouais. Ah oui, il y a aussi un fragment là-haut. Mais ça, je prendrai pas, sinon Harry, ça va me faire la gueule. Oui. J'active le lien de téléportation. Notre vaisseau est en route. Ah. Tiens, d'ailleurs, t'as appris pour Destiny 2? Bah, il va aller sortir en septembre. Vous avez déjà vu à quoi ressemble une zone de téléportation sur le cuirassé? Ouais. Vous avez envoyé une gardienne sur le cuirassé sans mon accord? Est-ce que j'ai votre accord? Oh putain! Brûleur, brûleur, brûleur! Gardienne, occupez-vous de ce char ou la zone de téléportation sera inutile. Bien compris. Ah! Vous envoyez des cases de mission. Tant de jeu. Vous allez en avoir besoin. Non! Au revoir. J'ai pas le temps de réagir, putain. Tank de merde. Un brasier céleste, mais non, ça char. Je vous vois en train de vous démener tous les deux. Bon, quand tu veux, pour résumer. Vite, 7 secondes. Bah oui, je suis toujours là-bas à la base. Je suis toujours là-bas à la base pour le tank. Et bon. J'ai... Ouf, c'est parti loin là. Kane vient de nous donner les détails de votre mission clandestine. Oui. Quelle que soit la méthode employée. Ah, reconnaissance cuirassée est finie. Merci. De rien. Tout le monde adore les mauvaises idées quand elles fonctionnent. Bon, veuillez m'excuser, gardienne. Mais je dois maintenant avoir une conversation délicate avec Eris au sujet de son vaisseau. Elle va pas être contente. T'as pété mon vaisseau! Deux fois de ma gueule! Ah! Par contre, quand t'es ici, en fait, t'as une grotte. Où en fait les ennemis ils spawnent à l'infini. C'est excellent. Quand t'es en patrouille. Ouais, j'ai eu ça. Mais au bout d'un moment, ils sont un peu immortels. Oh! Oh! Un jeu sur os. Moi, je l'ai fait avec des mecs. Ça y est, les particules de lumière sont éjectées. Oui, mais j'ai vu ça sur certaines vidéos, par exemple Cosmodrome, brr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 
il reste à faire. Il faut que j'aille voir Iris. Non, faut que j'aille voir Kaïda. Les avalés m'a faire la gueule. Ouais, faut que je retourne à la tour. Bientôt 40. Oh putain, tu vas en chier. Oh, tu vas en chier. Oh là là, c'est une horreur.
Et même avec le bouclier titan là, oh putain, je me suis fait péter en morceaux par cette merde. Ouais, mais en fait, faut les diminuer un maximum et les tuer après, juste après, si après. Diminuer, tu sais, c'est pas facile, hein. Surtout qu'ils sont très fragiles, ces enflures. Et qu'ils viennent très vite vers toi. Tu le vois, tu fais ah, bonjour. C'est comme un creeper, t'as pas le temps de réagir, qui t'a déjà pété à la gueule. Putain de creeper. Shane qui m'a fait péter un creeper juste à côté de ma maison, je te dis pas le trou à côté. Saleté. Bon, mais j'ai hâte de voir ce que c'est leur fameux emblème là qu'ils vont mettre pour ceux qui vont se connecter et jouer. Maintenant, vu que je fais du live, je suis tout le temps sur Destiny, donc bon. Ça va pas être difficile pour moi. N'est-ce pas, Virvius? C'est l'emblème de l'échange de particules. Ouais. J'ai même une lame à recharger pour avoir les. Oh, ouais, avec tout l'ennui noir. Community Focus Lab, qu'est-ce que c'est? 31 décembre. Oh là, les bases en grave à récupérer aussi. Jambes rouges. Oh, mon dieu. Oh, que des rares à ouvrir. Il y a énormément de trucs à lire en anglais, la sauve de Destiny. Oh, ça suffit avec les particules de lumière. Je me plains que j'en ai pas assez sur Titan et là j'arrive pas à en récupérer en chasseur. Oh, une cape à 193. Mais par contre, le problème c'est que je perds mon taux de précision. Oh, c'est vitesse. 174 de lumière. C'est marrant, chasseur en fait, comme classe. C'est sympa parce que bon, ça détend. Mais par contre, elle est vraiment très 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 puissante. C'est pas difficile de survivre en plus avec. Hein. Il y en a qui disent que c'est difficile, mais honnêtement, je vois rien de difficile pour l'utiliser. Chasseur. Bah, il a vraiment de très très bonnes attaques. Ah bon? Ouais. Ah, si tu utilises la doctrine fantôme ou je sais pas quoi là, tu fais un carnage. Ouais, pas mal, pistolet. Oh, 191 à mitraillette. Là, ils vont se prendre des baffes. Les déchus. 191. Putain. Cryoélectrique. Non, j'aime pas. Oh là là, celle-là. Mon putain, je vais pouvoir rejouer avec mes anciennes armes. Mon blaireau. Enfin, un beau blaireau. Ah, je crois que j'ai Kaderis. Trouver 53 fragments calcifiés. La ruche est un fléau ancestral. Avant le début de l'histoire, avant même la naissance du temps, elle rongeait déjà la lumière. Mais de tout le temps que j'ai passé auprès d'elle, je n'ai rien vu d'aussi ancien que cet étrange fragment. Et malgré son âge, voyez comme il s'intige en l'ombre. Si vous en trouvez d'autres, rapportez-les-moi. Nouvelle étape. Trouver des fragments. De toute façon, j'en ai déjà deux en tête à trouver. Ouais, il y en a un au-dessus, il y en a un qui est à côté du vaisseau, et t'en as un qui est en bas de, dans le creux, là où le vaisseau s'est crashé. Donc ça en fait 3. Le quatrième il est dans l'asile, ça fait 4. Et le cinquième, partout. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir les clés d'un cuirassé? J'en ai vu des missions, mais celle-ci fait partie des rares succès sans aucun accroc.
Ne me réciez surtout pas. C'est bon toi, tu prends des bœufs. J'ai un casque. Lequel? C'est nocturne. Ah tiens, j'ai pas avec Zavala. Bon, Trailer X nous a meurtri, mais l'heure de réponse est arrivée. Mais si son œuvre est épaisse, les cabales ne sont pas la moitié. Ils sont sûrement pas redécompus. Elle a mis de mon ennemi. Prenez d'assaut le vaisseau cabale qui s'est écrasé dans le cuirassé. Découvrez ce qui s'adore X. Oh putain. J'ai besoin de gardien sur le terrain. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Tu veux voir quoi, maintenant? Le fragment que tu dis, en fait. Que t'as en temps ou que t'as sur un personnage? Tu l'as. Tu peux le voir sur Destiny Calcified Fragment. Non, dans le jeu, bah, tu vas sur... Le cuirassé. Tu vas sur le cuirassé, tu verras, en bas à droite, il sera le plus... autant sur 50. Il manque toujours deux fragments. En bas à droite, il y a les deux fragments. C'est comme il... Ah oui, t'as récupéré ce durette, toi. Quand t'es en orbite. Ouais. Ben, dites-moi quand vous êtes prêts. Ok. Comme d'habitude. Elle a encore qui me... Encore qui me félicite de mon 150. Non mais c'est bon, faut arrêter les gars, là. Stop la lèche. Oh, ça va pas être dur. Hein. Tu peux tomber les pendions du PVP. On va dans Destination et on va dans Saturne. Et en bas à droite, tu vas arriver. Je suis dessus. 6 sur 50. Je suis 48 sur 50. L'ennemi de mon ennemi, le mausolée. Mission niveau 30. Et pour voir ce qui te manque, il y a un site pour ça. Ah ouais? Destiny calcifié de fragments. Ouais, fragment. Le narthex. Non, non, le nom. Les cryptes suspendues. Y'a plus qu'à ces fils. L'asile. Fragment calcifié. Voilà. Super solide, point quand même. Alors, t'as des fragments calcifiés de la brèche dans la coque au mausolée, dans la salle des âmes. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai connu les fragments. Hein. Je les ai récupérés. Je les ai récupérés, les miens. J'ai même. Et là aussi, bien sûr, bah, au raid. Ouais. Et surtout les runes. Oula. Il y a eu un crash là. Waouh. Petit tympan. Bon, bah j'ai juste Oryx à faire moi, de mon côté. Tu veux faire quoi? La visite sur le vaisseau cabale. L'ennemi de mon ennemi. Ouais, tu seras mon ami. C'est parti. Ouais. Oh, je relance le live. Je relance, à de suite.